Allez, salut à toutes et à tous, c'est Gargaming TV et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'extension de Big Pharma que je vous ai présentée hier. Donc l'extension s'appelle Marketing et Malpractice. Donc à la base il est pour 6€, enfin 5,99€ sur Steam. Je l'ai eu, j'ai réussi à le trouver pour moins d'un euro, mais malheureusement la promotion du site auquel j'étais s'est terminée hier. Enfin, hier, un peu après que j'ai acheté le jeu, enfin, l'extension, donc je vous le mets pas en description puisque voilà, c'est passé. J'essaierai de, enfin, logiquement, il devrait y avoir sur Humble Bundle, logiquement, un de ces jours, puisqu'il est présent sur ce site là, mais il est pas en réduction. Donc, Marketing and Malpractice, qu'est-ce que c'est? En gros, ça rajoute là, tout ce qui est partie marketing et mauvaise pratique. Pratique en gros du jeu, enfin de certains trucs. Donc on va charger une partie, donc j'en ai fait quelques-unes, hein. Il y en a une qui date d'avant. Voilà, ça doit être celui-ci. Donc ça, j'y ai joué un petit peu de temps, j'ai essayé, voilà, c'était pour découvrir, donc on va prendre celle-là, vu qu'elle est en mode bac à sable. Donc vous pouvez le voir, tout ceci sert uniquement à faire un seul médicament. Présent ici. Donc c'est un vaccin contre le cancer ainsi qu'un truc qui calme les symptômes du rhume. Comme ça, si t'es malade, t'as le rhume et que t'as le cancer, ça te fait les deux. Sauf que pour en arriver jusque là, bon voilà, je suis dans le négatif de chez négatif, hein, c'est pas du tout rentable. Mais c'est puisqu'il me faut 4 ingrédients, pardon. Donc en gros, au début, on a juste celle-ci, donc ça c'est pour utiliser ce. Ah, j'ai oublié le nom, ça s'appelle. Il n'y a pas le nom. Ça s'appelle un catalyseur, voilà. Donc j'ai fait celui-ci, cette première branche. Hein. Donc au début, on part d'un traitement du diabète. Ensuite, quand on réalise ses objectifs, on passe à soigner l'hyperthyroïde. Ensuite, combat contre le cancer, la stéréose en plaques, et enfin, vaincre le cancer. Donc c'est un des... Je me demande si c'est pas l'un des trucs, enfin des branches avec ces trois-là les plus complexes. J'y ai passé énormément de temps pour pouvoir essayer de réorganiser tout ça. Donc vous voyez, j'ai besoin d'énormément de place. Ici, à un bout d'un moment, j'ai dû refaire le schéma d'entrée là, puisqu'au début il était ici et j'avais pas assez de place pour pouvoir ramener tout mon matériel ici pour pouvoir réaliser le dernier truc. Donc en gros, ça, je vais faire un accéléré. En gros, ça permet de vaincre la cancer, de changer le. Je vais y arriver, 1, 2, 3. La cirrhose en plaque contre. Vaincre le cancer, puisque j'ai entre le catalyseur et entre 5 et 6 de. Je sais plus comment, je sais pas de. Je vais vous dire tout de suite. La concentration, voilà. Donc, on débute les petits médicaments ici, je les mélange pour pouvoir récupérer le catalyseur et garder ça. Que je refais passer ici pour faire actionner le catalyseur. Comme ça, ici ça transforme. Ensuite, voilà, c'est tout un schéma, donc je vais pas vous expliquer. Ici, voilà, donc ça fait. En gros, si c'était pour récupérer. Pouvoir aller récupérer ce catalyseur là, puis ici celui-ci. Une fois que tout ça c'est fait, vu que j'ai plus assez de place. Oups. Autant pour moi, voilà. Si on clique dessus, ça fait foirer. Voilà, donc les médicaments en gros vont ici. Ils sont combinés avec toute une centrifugeuse où je récupère comment je peux voir ici je récupère celui-ci et ainsi que, si je me trompe pas, on va le faire, je vais attendre qu'ils finissent de prendre le médicament. Voilà, donc en gros, j'ai
ici je récupère tout ça. C'est parce qu'en fait j'ai un souci, c'est que ça actionne tous les effets. Donc c'est bien vu que ça m'actionne tous les effets contre le cancer et tout contre le symptôme, ça me fait un super truc. Le seul souci c'est que ça fait exactement pareil pour les effets secondaires. Et personnellement je préfère mieux pas, si un jour j'ai le cancer, j'ai pas envie de prendre un médicament qui me permet de lutter mais qui me rend qui me paralyse complètement, ça sert un peu à rien. Je préfère mieux garder mon cancer quitte à clapser que de paralyser toute ma vie. Mon déformement, voilà, c'est moins grave, mais bon. Donc j'ai fait importer ici un ingrédient lambda, hein, juste puisqu'il a celui-ci qui permet en fait de récupérer et de faire à la sortie. En gros, vu que là tous les médicaments sont actionnés, quand je les change, vous pouvez le voir, je ramène l'effet antalgique, ça va être ça. Vous pouvez voir. Non, voilà, c'est ça. En fait, je dis même pas l'antalgique, je garde ces deux trous là, que j'y change contre les deux effets négatifs ici, ce qui me fait voilà, un produit juste contre le cancer. Et une fois, donc là, c'est pour cramer la partie pas bonne du tout, hein, que j'utilise pas. Donc, enfin, c'est un analyseur à la base, mais moi, ça me sert aussi d'un incinérateur. Et comme ça, je garde ici exclusivement ce qu'il faut, ce qui me produit, enfin, ce qui me fait un produit de très bonne qualité. Vous pouvez le voir, je vais laisser un peu tourner. Pour le moment, c'est en B. Donc, les gens sont contents. Donc, après, voilà, je vais le mettre à 10% puisque c'est un très bon médicament. Je peux choisir des bonus. Donc, ça, je vous expliquerai après. C'est avec l'extension. Voilà, en gros, j'ai passé pratiquement une demi-heure, trois quarts d'heure à essayer de gérer tout ça. C'était la première fois que je le faisais. Ensuite, je voulais essayer d'ajouter ceci. Enfin, c'est des amplificateurs d'attrait. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi de chercher. C'est juste un bonus. Ça me fait encore faire tout un système de machin. Déjà que je suis pas rentable. Donc, voilà. Donc, pour en venir à notre extension, elle rajoute justement l'amplificateur d'attrait. Elle nous rajoute la régulatrice. Si je ne me trompe pas, elle nous rajoute la centrifugeuse. Celui-ci, le convoyeur fixe, je ne suis pas sûr. Autrement, là, ça ne nous rajoute rien. Ici non plus. Ça nous rajoute justement celui-ci va, des amplificateurs d'attrait dans les médicaments qu'on peut trouver. Donc j'avais essayé de prendre avec celui-ci, vu que bah, c'est sur toute la nuit et qu'il n'y a qu'un seul effet. Ça nous rajoute également de nouvelles recherches, comme ici par exemple, et également ici. Voilà, ça nous rajoute la centrifuge. Enfin, ça nous rajoute ici. Ce que ça rajoute également dans les remèdes, il n'y a rien du tout. Et dans le marketing, en gros, on peut voilà, augmenter le pourcentage ou le descendre. On peut voilà, mettre le brevet, c'est normal. Et on peut cliquer ici pour choisir des trucs en plus qui font qu'en fait on prend des cadres qui améliorent le produit. Donc, par exemple, je peux mettre plus 10% des ventes, plus 5%, plus 2%, voilà, on va mettre ça, plus 5% des ventes. Donc, ici je peux pas. Voilà. Donc là, ça c'est les effets positifs, en gros, enfin, c'est le marketing. Et là, c'est plus l'effet, en gros, c'est on fait en sorte que, ici par exemple, ça guérit pas totalement les patients, non, qui sont obligés d'en racheter. Pour ce faire là. Ici, ça augmente la demande globale, hein, donc c'est, en gros, ça attire plus de patients, donc ça augmente. Et ici, en gros, ça diminue la mauvaise note. En gros, ça augmente la meilleure note. En gros, c'est un excellent produit, tout marche très bien, alors que pas forcément. Et en gros, ça provoque, enfin,
Non, voilà. Ici, autant pour moi, ça provoque une mauvaise publicité en gros. Le produit, c'est pas bien. Donc les concurrents, ils baissent. Sauf que moi, je vais le mettre ici. Comme ça va permettre de guérir. Pas totalement, mais enfin, je pourrais même juste le mettre là pour être un peu moins sadique. Voilà. Donc on va mettre vitesse accélérée, histoire de faire passer des filets. Donc j'ai 27% de vente en plus. Donc ça va me faire monter un peu ma part. Également, donc ça rajoute justement ceci. Tout le côté négatif. Donc c'est une petite extension, ça rajoute pas grand chose, mais voilà, ça rajoute quelques trucs. Trial complete. Voilà. Donc, en gros, voilà, c'est ça, ça fait un vaccin contre le cancer. Donc je peux cliquer si je veux, voilà, pour bonus des ventes. Si je veux me garder. Que les meilleurs. Voilà, je vais en essayer d'enlever comme ça, soumettre. Donc mon médicament quand on va en compagnie. Plus 89% de ventes en plus. En gros, on double pratiquement notre chiffre d'affaires. Ce qui est rentable. Pour pratiquement rien dépenser. Bon, là vu, j'ai pris énormément, histoire d'avoir des points orables pour améliorer, pour coûter encore moins cher. Donc là, on va mettre tout ce que je peux potentiellement utiliser. Vu que tout est débloqué, je prends tout. Voilà, ici également. Non, quoique si j'ai évité de les prendre vu que je m'en sers pas. Je peux même les prendre vu que j'ai assez pour tout prendre. Voilà. Et ici c'est pareil, hein. J'ai dû déjà améliorer les ingrédients que j'utilisais, c'est-à-dire ces trois-là. Et si je me trompe pas, j'utilise également. Si celui-là je dois l'utiliser deux fois, oui c'est ça. Celui-là j'utilise. Je me trompe pas. En... Ah non. Ah bah si, voilà, il était déjà mûri. Voilà, c'est un événement aléatoire, ça, voilà, je me suis fait interdire mon... Ah mais non. Si. Donc là je vais mettre un brevet. Je sais pas si je peux mettre un, on va dire un brevet de 6 ans. Donc le temps qu'il faut. Mais en gros je me suis fait interdire par un événement comme quoi la presse, blablabla et blablabla. Dans ces cas-là, si je me trompe pas. Augmenter les ventes, le test. Super bonne vente. Je vais même me permettre de le monter encore un peu. Donc voilà. En gros, l'extension, ça rajoute quelques trucs négatifs, quelques trucs positifs. C'est une bonne extension puisque ça rajoute évidemment tout l'aspect marketing. Donc c'est pratique que vendre un produit de base et pas pouvoir faire grand chose pour pouvoir faire plus. Ce qui est pratique au début puisque voilà, si on a un cadre, on peut faire en sorte que nos médicaments se vendent un peu mieux pour essayer, voilà, quand on commence en partie normale avec de l'argent, gagner un peu plus. Si on joue surtout en mode hardcore, c'est ce qui a permis de booster un peu les ventes, de gagner plus d'argent. Donc voilà. Donc moi je sauvegarde pas. Parce que, vu que j'ai rien changé à part le marketing et encore. Donc voilà. Petite présentation, en gros je vous ai pas trop expliqué, enfin j'ai utilisé une bonne partie sur ce que j'ai fait actuellement sur ma partie, bien entendu, voilà. Donc on se retrouve logiquement demain pour la présentation d'un nouveau jeu. D'ici là, portez-vous bien, c'était Caro Gaming TV, over.